Là on est le 26 juillet. Ouais, on est le 26 juillet. Ça fait déjà plus d'une semaine que je suis ici en Colombie. Je vous ai rien filmé à Bogota, la capitale, parce que je trouve on va pas trop filmer là-bas. Y la mula gacela. Perfecto, gracias. Gracias. Eh oui, c'est cassé. Hein. À partir de maintenant, plus de micro. Mais bon, je pense qu'on m'entend bien, non, depuis là. Tu crois qu'elle est grande la forêt ici? Ça, c'est la nouvelle forêt interdite. Hein, à Claude... Putain, un moustique de tes morts. Dégage. Putain de merde, il fait 34 degrés. En fait, là, on est. Je sais même pas où on est en Colombie. On est chez vers Ibagué, un peu plus vers Tolima. Bref, ici, il fait hyper chaud. C'est-à-dire que tu peux faire 2 heures de route, il va faire 9 degrés. Et 2 heures de route, 2 heures de route de plus, il va faire 40 degrés, 30 degrés. Et là, on est dans une partie qui s'appelle la zona cafetera. Et cette partie-là, c'est une zone cafetière. C'est pour ça que là, on est dans une exposition un peu de café. Et là, on va voir un truc de taureau, je sais pas quoi, ou des chevaux qui vont courir. Je vais essayer de vous filmer ça, je sais pas si vous m'entendez très bien. Bon, j'ai pas pu beaucoup filmer aujourd'hui parce que la moitié de temps je trouve ça bon. Quand les gens parlent en espagnol, vous allez rien comprendre. Du coup j'ai juste filmé les choses où vous parlez pas, je pense que je vais mettre de la musique. Si je vais vous expliquer un petit peu ça un peu plus tard, genre ce qu'ils ont dit à peu près. C'est une réserve tellement belle, c'est un grand parc, il y a un truc du genre. Je vous ai que filmé genre 2-3 trucs, mais genre tu payes genre. Bon, ici c'est tellement pas cher, tu payes 10 balles pour un truc qui dure genre 5 heures où tu peux faire de tout. Regardez, je vous montre un peu. Bref, c'est. Franchement, il y a un peu de tout. Tu vois, on parle souvent un peu de, genre mal de ce pays, mais il est juste magnifique, il est juste drôle. Et voilà, bref. Moi j'ai la phobie des araignées. Il y avait ça, il y en avait un hier vers ma chambre. Moi je voulais pas dormir de la nuit, hein, j'allais choper. Tu vois, en Europe, les araignées sont toutes petites et tout. Ici en Amérique du Sud, ou en Afrique aussi, les araignées, les insectes, ils doublent leur taille, ouais. Aujourd'hui c'est le 27 juillet, il est 8h du matin, c'est pour ça que j'ai une tête un peu de fatiguée. Aujourd'hui on va faire du cheval, mais je vais pas vous filmer beaucoup parce que tenir une caméra sur un cheval, j'ai pas confiance. Alors aujourd'hui tu vois, ça fait quoi? Pendant 2 jours on a dormi dans cette ferme. Alors tu vois, imagine pas les fermes genre avec les vaches et tout. Non, ici les fermes c'est magnifique, ou je pense partout aussi. Écoutez la nature. Ah. Alors... Tu vois, toute cette ferme-là, elle nous appartient, elle est pas à nous. C'est-à-dire que demain, on ira dans une ferme qui nous appartient. Et là, elle est pas à nous, on l'a louée. Je vais vous la faire visiter un petit peu. Tu vois, il y a une petite piscine. S'il fait chaud aujourd'hui, c'est couvert. Il fait pas le meilleur temps, mais il va faire beau cet après-midi, c'est que le matin. C'est pas notre jour de chance. Le perroquet, il est pas là, il est de faire un petit tour, je crois. Parce qu'il est en liberté, il est pas en cage ici. Les animaux sont tous en liberté, etc. Ces bananes, tu peux les manger. Là, je vais pas en prendre parce que je sais pas si je peux les prendre comme ça. À chaque coin de la ferme, il y a des hamacs. Si vous connaissez pas ça, pour dormir, pour se reposer, c'est le feu, putain. C'est le feu. Voilà, ils ont créé leur nid ici. Bref, ici, tout est naturel, c'est-à-dire les petits déjeuners. Si je vous montre un petit déj ici, c'est une omelette tous les jours. Omelette avec un plátano, c'est comme une banane, mais frite. Aussi, il y a du pain, il y a des fruits, une salade de fruits, c'est important toujours ici.
C'est pour ça qu'en fait tous les fruits ici, ils vont pas les acheter dans des fruitiers. Ici on a des trucs pour les fruits, genre ici des mandarines. Là-bas on avait, comme je vous ai montré, des bananes, un bananier. Et là-bas il y a tout ce qui est pour le café. Il n'y a pas de ville. Ici la ville, il faut aller faire 30 minutes en voiture pour retrouver une... Non, 30 minutes, non, 20 minutes pour trouver une ville. T'entends aucune voiture cette nuit, t'entends aucun avion, c'est à... t'entends que la nature. Et c'est ça qui est beau, la nuit, les grillons, comme j'ai dit, les araignées. Mais si les araignées sont grosses comme ça, putain, il y en avait une. J'essaie de vous la retrouver, parce qu'il y en avait une là. Non, non, c'est mort, je vais pas la retrouver. J'essaie de me rapprocher là-bas sur cet arbre qui est assez loin. Vous allez me dire, vous allez peut-être pas voir, je vais peut-être prendre l'autre zoom dans quelques minutes. C'est des vautours. Bien. Très cool. Je vais pas pouvoir trop filmer avec le cheval parce que tu vois, je peux faire casser ma caméra, du coup j'ai pas confiance. Là t'as un oiseau très beau, mais j'ai pas mon objectif pour filmer. Vous voyez cette petite chenille, cette petite belle chenille, tu vois, elle est venimeuse, du coup il faut que je fasse gaffe, faut pas marcher pieds nus ici. Ah les gars, les bonnes vacances en Colombie, putain. Bref, aujourd'hui je vais vous montrer une baraque, la baraque de mes oncles. Franchement les gars, ici rester 5 jours avec des potes, c'est le feu. Je vais vous montrer ça tout de suite. Ici c'est notre chambre au rez-de-chaussée un peu. C'est là où j'ai dormi parce qu'en haut il faisait assez chaud et tout. Il y a même des tortues. Je sais pas où elles sont par contre. Elles doivent se promener dans tout ce géant jardin. Donc là-bas où il y a là-bas au fond, c'est là que je jouais au foot pendant ces jours. C'est là qu'on jouait au foot en famille, ici avec mes oncles, mes cousins, etc. Et quand il pleuvait et tout, bah à l'intérieur on avait quoi s'amuser. Attends, je monte la baraque. Et là. Donc, comme je dis, il y a aussi une table de ping-pong, un billard. Bon, le billard il est à la four, ils sont en train de jouer là-bas. Cette table de ping-pong. Bref, ici il y a aussi un petit parc pour eux. Il y en a pour ma petite cousine et tout. Et en fait, il y a tellement de choses à faire ici, je pourrais rester genre 2 semaines. Genre, j'inviterai les bons ici, tu vois, les bons, je les inviterai ici. Là, c'est le billard. Bref, ça va être la fin de cette visite un petit peu, bon, très courte, hein, je vous ai un peu montré un peu vite fait comme ça, cette baraque géante. Avec terrain de foot, ping-pong, billard, piscine. En Colombie, là, ces vacances de Colombie, c'était tellement chill. Para tomar.